Bonjour à vous toutes, bonjour à vous tous. Chaque année, de mai à juin, nous lançons une campagne de recensement des frontaliers. Et c'est pourquoi aujourd'hui, j'ai choisi de prendre la parole et de m'adresser à vous. Mon message s'adresse à l'ensemble des actifs frontaliers qui travaillent dans le canton de Genève et aux personnes de nationalité suisse qui habitent notre commune Saint-Julien-en-Genevois. Vous, travailleurs frontaliers, représentez 74% de la totalité des actifs de notre commune. Vous êtes plus de 5 000 à traverser la frontière chaque jour. Notre proximité avec Genève est un atout sur le plan économique, mais c'est aussi un enjeu de taille pour nous aider, nous, communes, à mettre à niveau tous les équipements publics nécessaire à une population qui continue de croître. D'ici la fin de ce mandat, nous aurons engagé plus de 50 millions d'euros d'investissement dans les écoles, les équipements sportifs, la voirie, les réseaux d'eau pluviale, les mobilités douces et bien d'autres choses encore. Et en tant que frontalier, votre contribution via le recensement est essentiel, puisque Genève reverse 3% des impositions sur vos salaires au département et que le département, à son tour, reverse une part aux communes, donc à Saint-Julien-en-Genevois, entre autres. Un frontalier déclaré représente 1 300 euros pour la commune. Par frontalier, la commune touche 1 300 euros. Donc votre déclaration est essentielle. C'est zéro impact sur vos impôts, mais 100% d'impact sur vos services et les équipements publics. C'est rapide, il n'y a aucun impact sur votre fiscalité et c'est gratuit. Et de plus, c'est un bénéfice pour tout le monde. Vous permettez à la commune où vous vivez, où vous habitez, de faire plus et de faire mieux. Et vous participez au bien commun pour vos enfants qui vont à l'école, qui vont au sport, pour vos collègues, pour vos voisins, pour les commerces, pour vos loisirs, pour vos déplacements. Alors merci de vous recenser, de jouer le jeu. Je compte sur vous. Au revoir.